Bonjour à tous et bienvenue chez Fuzz pour ce troisième mini tuto qui concerne l'utilisation de la test map, donc qui est la preview pour votre mode, cette fenêtre du milieu où vous allez pouvoir jouer ce que vous avez créé avant de le monter dans le jeu. Alors, ce qu'on va faire ici, il n'y a rien puisqu'on vient simplement de loader notre level My Mod. Donc, si on appuie sur Play, il va DL la map qui est affiliée, peut-être via Island. Donc, nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut pouvoir jouer. On va re-open un level, mais c'est celui de la test map que vous trouverez dans Maps. Hop, test map, open. Les messages de log, vous laissez tomber, hein, vous en verrez beaucoup sur la DK. Alors, vous êtes dans cette fenêtre. Vous allez là aussi sur les World Settings. Et vous allez relier pour cette test map eh bien, les blueprints que vous venez de créer. Pas de bêtises. Alors, le primal, il est là. 8. Vous mettez le vôtre à la place. Et puis vous descendez. Et comme d'habitude, vous allez trouver le game ici. Vous mettez votre test game mode ici. Et c'est bon. Alors, on va tester tout de suite. Un petit play. Voilà, vous avez votre personnage. Alors, par contre, le fail là, c'est que le clavier il est en QWERTY de base dans le jeu. Donc, ah, bon. Donc, en fait, moi je l'avais pas, je pouvais pas jouer, donc mon clavier enregistré était que en français. Donc, pour parer à ça, vu qu'il n'y a pas d'option prévue dans le jeu, ce que je vous propose, c'est de vous rendre dans les options de langue de Windows. Hop, vous allez dans votre panneau de configuration, vous avez région et langue ici, vous allez dans vos claviers et langue, modifier les claviers. Ici, vous voyez, j'ai pu rajouter l'anglais, donc pour ajouter, vous cliquez sur ajouter et vous choisissez. Je vous conseille l'anglais des États-Unis plus que l'anglais d'Irlande ou d'Inde ou de Jamaïque, ça me semble être un peu plus logique. Donc vous mettez ça en place. Ensuite, il va falloir que vous alliez dans les paramètres de touche avancée. Je suis pas arrivé à re-régler le switch là que j'avais enlevé. Je l'avais enlevé au moment d'Arma 3 parce que c'était infernal. À chaque fois, ça passait en QWERTY pour communiquer par écrit, c'était vraiment pas top. Donc, vous vous enregistrez une petite touche prédéfinie ici. Moi, j'ai mis CTRL 1 pour passer en QWERTY, CTRL 2 pour passer en français. Une fois que vous avez réglé tout ça, vous retournez sur la DK. On peut faire un test ici. Alors là, je tape AZERTY, mais ça m'écrit QWERTY. Hop, je fais CTRL 2. Et là, je tape AZERTY et ça me le remet en français. Donc, c'est la manière la plus pratique que j'ai trouvée pour pouvoir utiliser pleinement la fenêtre de preview. Puisque si vous ne faites pas cette petite manipulation, vous n'avez pas d'option pour repasser en QWERTY. Et donc, vous pouvez absolument. Enfin, vous êtes très très limité dans vos gestes en fait. Voilà. Bon, ce sera tout pour ce petit tuto. Je vous remercie pour votre attention. Bye bye!